A vision comes to me. Vicious. Grotesque. Lustful. The stench of death. Sounds of agony. The ritual of Death Night. I feel it in the meadows. I sense it in the air. Your wickedness growing. Chaos spreading throughout my beautiful land. And I grow weaker. The Sword of Cain. The Maker of Widows. I know you seek it. The Ever Queen, Mother of All, will bring the light to end your darkness, Crone Halibron. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Kerstein de Total War Coliseum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo présentation et d'informations sur l'actualité de Total War Warhammer 2, puisque de nombreuses informations nous sont parvenues pour ce mois de mai 2018, à savoir le DLC qui va récemment bientôt sortir, The Queen and the Crown, donc si vous préférez la Reine et la Vieille Femme. On a aussi un free DLC avec Adith Anar qui va sortir, et une autre mise à jour gratuite, Resurgent Dev, qui va donner beaucoup de choses en cette fin de mois. Alors on va commencer par le DLC, donc The Queen and the Crown. Donc nous allons avoir deux nouveaux seigneurs légendaires qui vont arriver sur le jeu. Donc Aelariel the Ever Queen, donc la reine éternelle si vous préférez, et la vieille Hellebron, la vieille Bic comme ils disent en français, Hellebron, la haute reine aussi. Donc c'est une des servantes de Cain, le dieu du meurtre. Il me semble que dans la hiérarchie, elle est deuxième après Morati, la mère de Malekith. Et il faut savoir que Morati et les Bronn ne s'aiment pas, parce qu'il y a eu un secret que Morati s'est caché de garder volontairement à les Bronn. C'est concernant les chaudrons de sang, du fait que le chaudron de sang, ça permet de garder la jeunesse éternelle. Et ça, et Morati l'a volontairement gardé, pardon. Et du coup, plus... Hellebron utilise les chaudrons de sang régulièrement, plus l'effet s'estompe rapidement. Donc elle doit se faire davantage de sacrifices de prisonniers ou d'esclaves. Donc ensuite on a des nouvelles mécaniques de campagne avec ce DLC, la défense du Tluan. Donc de ce que j'avais vu en vidéo, en fait il va falloir s'occuper de la diplomatie, bien gérer vos relations avec le Tluan. Vous allez avoir une opinion auprès des autres comtés du Tluan. Donc jusque là ça ne change pas. Vous me direz de la faction, de la campagne habituelle avec les relations diplomatiques. Et je crois que vous avez des malus aussi par rapport à vos bâtiments, vos revenus, des choses comme ça. J'avais vu ça. On a la nuit noire, donc ça concerne les elfes noirs. Donc les sacrifices d'esclaves à tout va, des choses comme ça. Le voyage du sang, je crois que c'est une mécanique d'invasion, dans mes souvenirs de ce que j'ai vu. Et on a deux nouveaux rites, donc l'invocation de Liliet et de Drakira. Donc Liliet, il me semble que c'est pour Alariel, donc lié aux elfes. Et Drakira, logiquement, ça serait pour Hellebron. Du coup, ce DLC va apporter de nouvelles unités aussi. Alors, on a les Sœurs de l'Averlon, donc ça, c'est des unités OF. Les Sœurs du Massacre, ça, c'est pour les Elfes Noirs. Les Guerriers de l'Ombre sont pour les Hauts Elfes. Les Doomfire Warlock, je crois que ça serait pour les Elfes Noirs. Suprême Sorcière, ça, c'est Elfes Noirs aussi. Et Handmaiden of Averlon, donc logiquement, ça doit être... aux elfes et d'autres régiments de renom. Et il y a une petite indication qui nous laisse une nouvelle surprise, mais ce n'est pas tout. Bientôt un monstrueux secret va être révélé. Donc voilà, donc là je vais aller un petit peu dans les codex que j'ai récupérés sur internet de Warhammer.
Alors, on va regarder déjà pour Alariel, voir un peu à qui nous avons affaire. Les héros, c'est où? Alors, on a Tyrion et Téclis, c'est pas eux. Eltarion, c'est pas lui. Alariel la radieuse, reine éternelle du clan. Donc, je vous la présente. Je vais vous mettre en plein écran pour que vous voyez bien. Plutôt un personnage assez badass, au passage. Il me semble que dans le lore, elle avait une histoire d'amour avec Tyrion, mais je n'en suis pas si sûr maintenant. Alors, c'est une magicienne, une d'infanterie ou à cheval. Elle possède les domaines de la vie, la lumière et de la haute magie. Donc, elle aura trois domaines. Et dans le trailer, si vous avez fait attention, elle peut invoquer des dryades. Donc, ça va être intéressant. Et je serais pas étonné qu'il y ait un bâtiment spécial pour tout ce qui est homard, dryade, lémure, pour sa faction. Du fait qu'elle sert le domaine de la vie. Elle a aussi, je crois, de ce que j'avais vu par rapport à Fléau du Chaos, il y aura peut-être une pénalité avec Alariel en fonction de la corruption chaotique qui se dégagera sur vos territoires. Plus vous aurez de corruption chaotique, plus Alariel perdra en puissance. Donc la priorité, ça sera d'éliminer cette corruption chaotique le plus rapidement possible. Au niveau des objets magiques, elle en a plusieurs. Elle a une pierre protectrice de d'Isha. Donc apparemment ça doit être peut-être pour donner un boost de résistance ultime. Peut-être dans le jeu qu'ils vont faire cette mécanique, je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile d'Averland, c'est un objet de régénération de points de vie dans le jeu de figurines. Donc peut-être régénération de points de vie si on suit la logique. Le bâton d'Averland, c'est un bâton magique. Ça peut peut-être donner des boosts de canalisation. Ça pourrait être intéressant. Et il y a deux objets magiques. Le corps d'Isha. Donc, mais bon, après ce qu'il y sera, je ne sais pas. C'est un objet qui peut être utilisé. Ouais. Donc ça, je suis pas sûr que ça y sera, de ce que je vois. Et peut-être la bannière d'Averlon, qui sait qu'elle sera présente dans le jeu, qui pourrait donner des bonus de lancement aux sorciers amis. Donc ça pourrait limiter les risques d'échec, par exemple. Pourquoi pas. Alors, au niveau des unités, qu'est-ce qu'on avait vu? Alors. Les phénix, vous connaissez, les grands aigles, on les a déjà, les disciples d'Azurien, donc les gardes du phénix. Alors, on a les demoiselles gardiennes d'Averland qu'on a vu dans le trailer, donc ce sont des unités d'archers apparemment magiques. De ce que j'ai vu, elles ont des tirs de vif argent, donc on aura certainement cette capacité-là dans le jeu. Elles ont le tir rapide aussi, donc ça leur donne un bonus. Je crois qu'on avait vu aussi les guerriers fantômes, donc ça va être intéressant aussi, ce sont des rangers. On peut le dire clairement. C'est de l'infanterie, de l'archerie. Ils n'ont pas d'unité de tir spéciale, donc je ne vois pas ce que ça pourrait ajouter de plus. Mais bon, ils ont l'air plutôt classe. Alors, les dragons de Calédor, vous connaissez. Les chasseurs de Shras aussi. Les chevaliers du Tluan également. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Alors, c'était les. Alors, les mages, je les ai déjà montrés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Je crois qu'il nous restait une unité, j'avais pas fait attention. Alors, ça Coril, il est dans le jeu. Non. Mince. Les restes. Alors, les sœurs de l'Averland, je vous l'ai montré, mais c'est quoi le deuxième? Handmaiden of Averlord. Donc, on va voir s'il y a une unité qui correspond à ça. Bon. Apparemment, je n'en trouve pas. On a des lanciers miliciens, ça c'est la base. Les gardiens de Saffery aussi. Les défenseurs de Lothern, on les connaît. Les balistes aussi. Chevaliers, chasseurs de Shras. Fils de Calédor, guerrier fantôme. Demoiselles gardiennes d'Averlorn. Qu'on avait vu. Peut-être ce sont les demoiselles d'honneur en fait, hein, je suis en train de me dire. Handmaiden of Averlorn, ça peut être ça. Moi je vois que ça pour le moment qui serait plausible. Ça va être des unités d'élite, donc ils seront peut-être un peu plus fortes. Alors, pour les elfes, les hauts elfes, c'est fait. Donc, les elfes noirs maintenant. Alors, là, c'est toute l'historique. Il faut que je retrouve Elebron. Bon, les tyrans de Naragaroth, vous connaissez. Les assassins Kenitavet. Avec, pardon. Les Aubeluaires, je ne sais pas s'ils y sont dans le jeu, je me souviens pas. Désolé si vous entendez un peu l'ambiance dehors, il y a des gens qui font n'importe quoi avec leur moto, mais bon, ça c'est habituel.
Alors, on a déjà des unités que je vais reconnaître. Bon, vous êtes où les généraux? Malekith, Moratis. Voilà, Elebron, la reine de sang de Arganet. Alors, c'est la. Elle est plus vieille que. Elle est aussi vieille que Morati, de ce qui est dit. C'est la première des concubines de Kane. Donc, je me suis trompé, c'était pas la deuxième, c'est la première. Alors, voilà ce que je vous parlais tout à l'heure. La sorcière matriarche lui a délibérément dissimulé les plus sombres secrets des chaudrons de sang. Chaque année, de plus en plus de sacrifices sont nécessaires pour remplir le bain de jouvence d'Elebron. Et ses bienfaits durent de plus en plus moins longtemps. Donc, vous imaginez un peu le truc. Donc, elle connaît le temps qui passe au niveau de son corps. Au niveau de son équipement, alors elle a deux objets, une paire d'épées, donc l'épée de mort et de l'âme maudite. Ça va sûrement donner des bonus spéciaux au combat, j'ignore lesquels encore. L'amulette du feu noir, du coup, ça va peut-être lui donner une résistance magique, vu que cela, dans le jeu de figurines, c'est sort dirigé contre l'unité, ont un bonus sur du 4+, donc je pense que ça va être un truc de résistance magique. Elle a aussi des attaques empoisonnées, ça va faire très mal pour Esse Meurtrière. Alors au niveau des unités, qu'est-ce qu'on avait vu? Les Manticores, on les connaît. Les Hydres aussi, les Sanguinaires incarnés. Bon, on aura le Chaudron de Sang, bien sûr. Je ne me souviens pas que les Elfes Noirs l'avaient déjà de base. À moins que je me trompe. Alors ensuite, on a les Sœurs du Massacre dont je vous parlais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'elles? Ce sont des guildes gladiatrices, donc ce sont des unités qui seront un peu toutes nues, pas, je dirais pas loin d'être toutes nues sur le champ de bataille, mais en tenue légère pour aller combattre. Les exécuteurs, on les connaît, la garde noire aussi. Les ravageurs du monde, on les connaît. Les sorcières, donc je crois qu'il y avait un nouveau domaine peut-être de magie, de ce que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Docteur Sangfroid, on les connaît déjà les Sangfroid dans le jeu. Sœur du Massacre, Promise de Kane, ça c'est des furies, ça on connaît, c'est habituel. Les Sanctuaires Incarnats. Est-ce qu'il y aurait peut-être ceci dans le. Ah peut-être. Je sais pas si c'est mentionné, mais pourquoi pas. Donc voilà pour le côté des elfes noirs. Après, il manque encore des unités, genre le Carelbi, ça me dit rien du tout, on l'a pas encore dans le jeu, pourquoi pas, c'est une unité maritime. Alors, de ce côté, c'est bon. On va parler maintenant du prochain Free LC. Alors là, c'est un lord légendaire aux elfes qui s'appelle Alitanar, le Shadow King, donc, ou le roi de l'ombre si vous préférez. Donc on va avoir encore des nouvelles mécaniques avec lui, le royaume de l'ombre, esprit de la vengeance, marque de la mort, rite d'invocation de mort. Rai-Aeg, deux nouvelles unités, les marcheurs de l'ombre et la main de la couronne de l'ombre. Alors, au elfe. Donc, on va vous présenter un petit peu le monsieur. Où est-ce qu'il est? Il était en bas. Teclis. Le voilà. Alitanar, surnommé le roi fantôme. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, c'est lui qui aurait été élu. Par les hauts elfes lorsqu'ils s'enfuirent, les elfes de Nagarit s'enfuirent vers l'ouest, pardon. Pardon. 1, 2, 3. Alors, on raconte que ce roi Alitanar a été élu par les elfes de Nagarit quand Malekith s'enfuit vers l'ouest. Il est le dernier descendant d'une grande lignée qui avait été éradiquée par les serviteurs du roi sorcier. Et à cette époque, de nombreux elfes noirs se cachaient encore en Uthulane, donc. Alitanar va contribuer à massacrer beaucoup d'entre eux, grosso modo. Il est reconnu pour sa notoriété avec la bataille de la passe du Griffon, donc il captura 700 elfes noirs et les fit pendre le long des falaises blanches qui surplombaient la vallée. C'est plutôt sympathique. Ensuite, plus tard, il mène ses guerriers hors du pays des ombres, donc contre les forteresses érigées à Nagaroth. En gros, il pouvait mettre à sac ses navires, piller ses caravanes, etc. Il a même volé un objet à Morati lors d'un bal à la cour du roi sorcier qui s'appelle la pierre de minuit. Du coup, au niveau des objets magiques, il aura la pierre de minuit, c'est
un objet qui lui confère une sauvegarde invulnérable à 4 plus son jeu de figurine, donc potentiellement de la résistance ultime. Un bonus de 5 à 10%, pourquoi pas. La couronne des ombres. Ça sera certainement un de ces objets aussi. Ce diadème en argent est le symbole de souveraineté Nagarit. Peut-être des bonus d'ordre public, d'entretien sur certaines unités, des choses comme ceci. L'arc de lune. Donc, en gros, c'est un arc qui ressemble à une balise dans le jeu de figurine. Donc, peut-être qu'il aura une capacité spéciale de percer armure. Voire un bonus contre les unités d'Alpha Noir de ce qui est écrit là. Pourquoi pas. Alors, sinon, il y a d'autres unités ou pas? J'ai pas vu. Je n'en ai pas vu encore. Garde Phénix, garde de la flamme, ça n'a rien à voir. Guerrier fantôme. Peut-être qu'ils auront un profil spécifique par rapport au guerrier fantôme de base qu'on avait vu dans le DLC. Qui sait? La main de la couronne d'ombre. Non, du coup, aucune mention de ces unités, c'est dommage. Donc peut-être ça va être un dérivé des comment ils s'appellent? Des Shadow Warriors, je pense. Donc ils seront peut-être une capacité spéciale ou des flèches, je n'en sais rien pour le moment. Et enfin, on va passer à la dernière grosse mise à jour gratuite, Resurgent Update. Donc la Norska va certainement débarquer de ce qui est écrit. Le parc de la Norska, donc nouvelle chasse de monstres, du fait qu'il y a le nouveau monde actuellement, c'est logique, des nouvelles technologies, une mise à jour avec les nains, donc Dwarf Forging, Forgenen peut-être, des Slayers géants, donc à achat demain, de ce que j'avais vu en vidéo. La position du Grim Point de Fer change, donc je crois qu'il va être à Karak. Attendez, c'est laquelle? C'est Karak Norn ou Karak. Karak, sa capitale, mais j'ai oublié. J'ai oublié le nom de la ville, ça c'est pas bien. Mais je vais regarder. Grim Point de Fer. Alors. Grim Point de Fer, qu'est-ce que tu nous dis? Baragot et Karakadrin, voilà, excusez-moi. Donc, Ungrim commence officiellement Karakadrin désormais. On aura des nouvelles unités, donc c'est peut-être cette unité que j'ai vue, Dark Elf Feral Manticore, donc des dresseurs de Manticore avec en soutien. On aura un nouveau haut elfe, enfin un nouveau héros chez les hauts elfes, qui est la magie des cieux et des ombres. Une sorcière elfe noire, donc du domaine de la bête et de la mort. Des nouvelles mécaniques de campagne. Donc peut-être des nouveaux bâtiments de ce que je veux. Épée de Ken, donc bataille de. Enfin, map de bataille pour la campagne et bataille personnalisée. Et les 30 ans pour régiment de renom ajouté. Et plus pour ceux qui sont les LC. Donc qu'est-ce qu'ils nous réservent là-dessus? Je ne sais pas. En tout cas, Warhammer 2, j'espère que ça va pas râler parce que oui, c'est un DLC d'unité. Il faut payer pour gagner. Un pay to win, comme certains j'entends. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour de la vidéo. Si jamais vous avez des choses à rectifier dans les commentaires, n'hésitez pas. Parce que on sait jamais, je fais des erreurs, je suis humain. Et ceci la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser von Kerstein de Total Coliseum. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les amis. Au revoir.